Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de finaliser mon petit look aujourd'hui. Il est tôt, là, il est 7h41, je me suis levée il y a une heure, je suis fière de moi. Puis ben c'est parce que Audrey-Anne s'en vient dans une vingtaine de minutes me chercher parce qu'on s'en va faire un petit road trip à Québec. J'ai full hâte, ça va être méga fun, c'est certain. Puis là je sais pas si je vous tease genre qu'est-ce qu'on va faire ou je vous garde la surprise. Je vais peut-être vous mettre un petit aperçu, tiens, on va faire ça. Fait qu'on a plein d'activités prévues. Dans le fond, on va dormir seulement une nuit ce soir. Puis après ça, demain, on repart. Mais on a aussi des petites activités de prévues demain. Je suis vraiment contente parce que Québec, c'est rare que j'y vais. C'est pas une ville que j'étais allée, genre, de nombreuses fois. Limite, je pense que j'étais allée plus à Toronto qu'à Québec. Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'ai comme envie de redécouvrir cette ville une fois adulte et vous montrer justement un petit peu des facettes, là, insoupçonnées de la ville. Qui est pas juste les, tu sais, les trois mêmes truc classique que tout le monde va faire là-bas. Un des seuls scoops que je vais vous dire un matin, c'est qu'on va aller dormir à soir au Château Frontenac, mais ça risque d'être bien excitant et bien particulier. Je me rappelle quand j'étais petite, je l'avais vu puis j'avais trouvé ça full impressionnant, mais je suis même pas rentrée dedans, genre. Fait que là, je vais pouvoir non seulement visiter, mais aussi dormir là-bas. Si vous voulez voir toutes les activités qu'on va faire, tous les restos, tout ce qu'on a booké dans les dernières semaines, stay tuned parce que c'est parti! On est en route! Fait que dans à peu près 3 heures, on est à Québec. 2 heures et demie. On est arrivé! On cherche le bistrot Ortus parce que c'est notre premier arrêt. On va aller dîner là avant de poursuivre nos activités. Il est 11h07, ça ouvre à 11h30. Puis Audrey n'est jamais allée non plus à celle-là. Parce que Miss connaît mieux Québec que moi. Mais moi, je connais aucun des restos cool puis tout ça. Mais ouais, on va aller découvrir ça, qui est un bistrot quand même santé puis vegan, de ce que je me souviens. Ben, il y a de tout, mais les options végé vegan sont vraiment bien identifiées puis il y a beaucoup de choix. Ok, fait que c'est pas que vegan. Non. Végé. Ok, on va aller voir ça. C'est beau cette petite rue, sérieux, je pense que je suis jamais venue ici. On est arrivé! Oh my god, je reviens des toilettes et regardez qu'est-ce qui est sur notre table. Oh mon dieu, que c'est beau! Ça a l'air bon là. Ah ouais, fait qu'on a pris deux plats pour partager dans le fond, les nachos. On s'entend, ils sont un peu différents de d'habitude. Puis ça, c'est le. Comment il appelait exactement? Sauté de légumes. Sauté de légumes. Il y a du tofu fumé aussi là-dedans, on va faire tout ça comme là, je pense. Ah. Ça a l'air bon! Puis ça, on dirait du chocolat, c'est quand même trop. Ouais, c'est ça, je me. Ben, il y avait au haricot noir. C'est ça, haricot noir. Du chocolat. Mais ouais! Bon, mais bon appétit! Bon appétit! Moi, je me lance. Ouais, on se lance. On goûte à ça. Aux toilettes, je voyais, c'était vraiment le concept farm to table, là, tu sais. Fait que. Il disait qu'il y avait un truc sur le toit, je sais pas si c'est le toit ici. On voit pas le toit, mais des toilettes, ils montraient comme, je sais pas, une petite ferme, puis ça disait comme c'était cultivé sur le toit, mais je sais pas si c'est ici même. En tout cas, mais c'est très concept, tu sais, bistrot local de saison, tout ça, fait que. Ouais. Nous, c'est bon, les chips de taro, ça te dit, hein? Mm-hmm. Ouais, c'est bon. Ça aussi, c'est vraiment bon. Ouais. C'est réconfortant, ça. Ouais. Un bon plat de transition été-automne, genre. Mm. Les légumes sont bons. C'était bon! Je pense qu'on avait ça. Si vous voulez quelque chose de frais, léger pour le dîner, c'est une belle place. Mais l'autre, le plat, ouais. Comme ragoût, il était plus chaleureux, ouais. Plus c'est automne. Ça. Mais c'était vraiment bon. Ouais, non, les deux plats, on a full aimé. Tantôt, je vous disais, je sais pas si c'est vraiment sur le toit, j'ai posé la question au gars en payant, puis effectivement, c'était vraiment sur le toit. On peut pas le voir parce que c'est comme trop haut, mais ils font vraiment ça sur le toit. Puis il m'a dit que c'était unique à Québec, fait que good to know! Deuxième arrêt, on s'en va dire coucou à nos amis de chez Omi. Moi, ça fait quand même une couple d'années, mine de rien, que je collabore avec Omi de différentes façons, tu sais, qui m'envoie les produits aussi pour que je les teste et tout. Puis j'ai tout en dit, c'est vraiment une de mes marques québécoises préférées. Rachel, vous l'avez peut-être vu entre autres dans mon documentaire derrière les cosmétiques, mais elle a fait son cours, tu sais, en formulation de cosmétiques et tout. Puis maintenant, écoutez, ça va tellement bien, Omi sont en pleine expansion. Fait que là, on s'en va visiter pour la première fois l'usine! On la voit! Oh, shit! Oh, c'est tellement grand! En fait, ils ont le nouveau logo, ça fait beau! Hey, sérieux, ça me rend tellement émue puis fière parce que carrément Rachel, dans derrière les cosmétiques, à ce moment-là, c'était encore à l'école. Ça commençait, tu sais, c'était plus embryonnaire. Puis là, juste quelques années plus tard, ils ont une usine. C'est capoté. Ah! Ça fait longtemps! Merci d'être là! Bienvenue chez nous. Merci. Je vais juste faire les petites présentations officielles. Donc, Rachel. Ok, je suis présidente d'entreprise et chimiste. Exact. Comme... Et Charles. Oui, moi je m'occupe des partenariats, des concours, influenceurs. Fait que j'ai pas mal
mal ça que je fais. On parle de décor, mais de ça. Ouais, exact. On a accueilli avec une petite tasse d'eau. On est pour ouvrir. C'est pas une éprouvette, un pêcheur. Ouais. Mes cours de sciences sont loin. C'est tellement qu'il fallait y passer. Et aujourd'hui, on va faire, je sais pas si t'aimerais ça qu'on fasse comme crème de jour sérum, crème de nuit sérum. On va pouvoir choisir entre sans odeur, concombre, mangue ou rose vanille. Okay. Là, on a concombre. Ouais, concombre, j'adore ça. Je pense que mes crèmes sont déjà odeur concombre. Ça mais là, peut, pour hein. L'occasion, il faudrait peut-être que je change à mangue ou rose vanille. Je vais te faire sentir mangue ici. Ça sent très bon. J'aime ça, c'est une sorte d'aile. Oui, exactement. Ça, c'est la texture légère. Je pense que j'ai jamais essayé riche, fait que ça peut être bon. Et puis, on l'a pas mentionné tantôt, mais... Avec l'usine est venu aussi le changement de look. Oui. On en avait parlé, hein, mais ouais. Parce que vous parliez de nouvelles, des nouvelles bouteilles rechargeables. Ben oui. C'est important de le souligner, mais oui. Tous nos soins sur mesure sont disponibles dans des emballages en verre réutilisables. Le soin sur mesure provient dans une recharge comme celle-ci, une recharge faite de plastique recyclé et recyclable qu'on va tout simplement insérer. Puis, c'est un système airless, donc le produit ne va jamais être en contact avec l'air. Tu en as jusqu'à la dernière goutte. Exactement. Ouh! Donc, comme vous pouvez sentir, c'est un espace pressurisé, humidité contrôlée, super important. Et là, on va s'habiller. L'imprimante, on va voir celle d'Audriane. Okay. Ça, mettons, en réalité, est-ce que c'est la première étape? Parce que, mettons, quelqu'un passe une commande, ça va faire l'étiquette avant tout, parce que c'est comme un peu le bon de commande, l'étiquette. Exactement. Et là, on est dans le petit entrepôt. Ah bon, on a différents produits, on a des mousses, des huiles, etc. Ouais. Puis, normalement, c'est là qu'on va faire l'expédition. Ici, on est dans l'espace de recherche-développement, donc c'est ici qu'on va développer nos futurs produits, fait qu'on va faire des tests de vieillissement. On a Justine qui est ici avec nous, notre docteur en pharmacie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je fais un masque hydratant, fait que j'ai préparé ça, une petite formule juste pour vous. Ça veut dire que c'est ici, il y a deux blogueuses beauté qui approuvent le produit. Ça veut dire qu'on pourrait vous influencer à le sortir. Ça pourrait. Ça, c'est particulièrement visqueux. Oui, c'est quoi? Dans le fond, c'est l'acide hyaluronique. Ah. Dès qu'on va le mettre au contact de l'eau, ça va vraiment faire un genre de gel, en fait. Portion de notre visite, on va tester en exclusivité une nouveauté. Premier produit de notre gamme Contrôle, qui est une gamme adressée aux peaux à tendance acnéique. C'est un soin ciblé 360 qui va cibler l'imperfection tant en prévention qu'en correction. C'est un super produit à une formule ultra minimaliste et surtout sans alcool, plus d'imperfection, donc on peut le mettre en prévention aussi. C'est vraiment un beau gel. Pas séché, il est 100% invisible sur la peau. Exact. Tu sens qu'il n'est pas séchant par contre parce qu'il va laisser comme un léger film. Mais c'est même voulu. En ce moment, il y a comme une tendance au patch qu'on met sur le visage. Mais il y a un peu un effet film. Très léger de patch. Ça fait un effet filmogène. On reprend les mains pleines. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci pour la visite. Merci. Bon retour. Merci. On est en route vers le Château Frontenac. On est full excités, pour vrai. En fait, ils nous accueillent gracieusement pour une nuit, fait qu'on les remercie. Quand on a choisi les trucs pour Québec, Cynthia l'avait mis dans les suggestions Château Frontenac et j'en ai même pas cherché d'autres. J'ai juste écrit oui, plus, s'il vous plaît. C'est vrai, en plus, je me rappelle. Ça fait un petit bout qu'on a organisé tout ce petit séjour-là, là, puis ouais, c'est... Mais tu sais, vous allez me dire que c'est un classique, là. C'est sûr, t'sais, que vous êtes touriste ou québécois, tu sais, comme vous venez à Québec, c'est sûr, faut aller voir le Château Frontenac. Mais moi, jeune, je sais que j'ai juste vu de l'extérieur. Moi, que, là... moi non plus, je suis jamais allée dedans, là. Bon. J'ai jamais dormi. Bon, fait qu'on va le découvrir, mais c'est sûr, ça va être beau. Pour vrai, je capote, genre, j'ai juste des souvenirs, c'est ça, enfant un peu, qu'est-ce que j'ai vu. Mais on dirait que depuis ce matin, je suis comme, voyons, il y a donc plein de belles petites rues. Je redécouvre Québec, honnêtement, dans ce vlog-là, je capote.
Je trouve ça vraiment beau, ça a un charme européen. T'sais, moi, j'ai juste le vieux Montréal, mettons, je compare à ça parce que je viens de Montréal. Puis bon, quand j'étais jeune, je disais que c'était ma place préférée parce que c'était vieux. Mais ici, franchement, j'avoue que ça a vraiment son charme. Là. Québec gagne des points dans mon cœur. Audrey, elle n'est pas surprise parce qu'elle était déjà vendue. Moi, j'adore Québec, mais. Ouais, je pense que je ne connaissais pas assez. Et c'est beau! C'est tellement beau! Qu'est-ce que c'est la lumière? On dirait qu'on est dans une salle de bal de genre Belle et la Bête, juste pour entrer! C'est chic là! C'est chic et vieux! Il y a un chien qui jappe! Ah, on était excités! Là, on s'en va au 14e étage! C'est ça! Fairmont or Gold! Ça, c'est Je suis prête! Oh, c'est full lumineux, c'est beau. On a comme la vue sur le fleuve et la ville. Ah oui, on a les deux. C'est très beau, ça fait chic. On dirait que je suis pas au Québec, je sais pas comment expliquer là. Toilette, garde-robe. Oh, la salle de bain. Oh, ça va être chic. Oh, ouais, c'est vraiment beau. Fait qu'on s'est changé, on est toutes prêtes pour aller souper. Là, c'est notre vegan, si je me rappelle bien. C'est ça le nom. Toi, tu sais, c'est quoi? Moi, je sais pas. Moi, je vais à chaque fois que je vais à Québec, j'adore. Bon, ça a l'air qu'on est un peu chic pour, c'est comme plus, pas diner, mais genre relax, ouais. On n'est jamais trop chic, c'est toujours les gens qui sont pas. Ça, c'est ma philosophie. Ouais, c'est très toi, ça. Moi, souvent, dans la vie, j'ai été underdressed, mais là, non, c'est bon. On dit d'où ça vient, moi, c'était Cubic, le top. Donc, dans le miroir, on dirait qu'on... Ah oui. Ouais, mon top, je sais que ça vient de boutique Cubic, mais c'est une marque québécoise que j'ai pas été capable de lire. Je sais pas. La jupe te dit ça venait encore là le nom Talula, c'est ça, Aridia. Puis les petits souliers sont mes petits nouveaux de Meguiar. C'est vraiment beau. Je les ai eu toute la journée comme à Omi, je les avais. Puis on dirait pas que je porte des talons qui sont big en confort. Moi, ma jupe elle vient de chez Mim. Oui, full belle, tout à fait bien. Merci. Camisole dynamite. Mon cardigan est de chez Sarah, mais l'année passée. Ça, c'est Place d'Armes, ok. Hey, je connais trop pas. J'ai regardé sur le GPS. Funiculaire. Tu sais, t'es un petit peu crazy à se promener avec ses talons hauts. Des talons aiguilles, je recommanderais pas, mais ça va encore. Les joueurs sont tellement confus, c'est souillé. Je peux même courir! T'as ça de pas tomber, là! Non, non, c'est pas ton stable! Bonne vegan, on s'en vient de voir. Mais on te voit, j'ai faim. J'ai senti que tu aimes celle. Oui! Sûrement. Au moins, là, c'est un resto 100% vegan. Pas comme à midi qu'il y avait tout. C'est beau! Je suis vraiment très impressionnée. Je retombe à l'amour, je redécouvre. On est arrivé! L'autre jour, j'avais pris le Vito Virgin, c'était vraiment Ça me tente, un petit drink à soir, ça serait bien. À vous, hein? C'est vrai, je viens de flasher, on avait prévu une activité après-midi, mais on a manqué de temps, puis il pleuvait au moment de faire l'activité, fait qu'on n'a pas pu le faire. Puis c'est pas, je pense que c'était la dernière journée en plus aujourd'hui, mais c'était les signes flotteurs. Fait que si jamais vous me regardez un prochain été que vous voulez le faire, là, je mettrai les dates. Là. Je pense que c'est gratuit parce que vous pouvez pas faire de location, de réservation, mais c'est comme des gros signes flottants. Là. Comme un pédalo. Ouais, c'est ça, pédalo en forme de signe. Alors, ça aurait été cool. Ça aurait été une petite activité sportive de la journée, mais là, notre passe c'est monter les rues de Québec. Petite farce comme ça, épinard, cachou, sauce qui goûte plus style levure alimentaire. Ouais, c'est bon, c'est réconfortant. Un petit plan de pâte, là, j'aime bien. Moi, ouais, je dirais faut c'est ça, faut juste aimer le goût de la levure. Moi, j'aime ça, là, mais... Je sais pas si c'est ça, ouais, les mondes qui, mettons, qui sont pas vegan, est-ce qu'ils vont trouver... Peut-être qu'ils vont pas reconnaître le goût, vu que c'est typique un peu de la B12. Moi, j'aime moins parce que ça goûte vraiment la levure. Ok, c'est ça. Avons craqué. Nous avons pris le petit dessert à séparer à deux. Ça a l'air bon. Non, ça me tendait aussi. Ça a l'air full bon. Petit gâteau au chocolat. Vegan, donc pour remplacer les œufs, ils ont dit avocat. Il est chaud, c'est bon. Ah, il est full bon. Prenez ça si vous venez, c'est vraiment. Gros miam. Il est cute! Oh! I know! Ben voyons donc! Ça a l'air que je suis sur son banc. Oh, c'est pour ça! J'ai un peu soufflé parce qu'on a monté bien des côtes. On est rendu à la dernière activité pour aujourd'hui. Une visite fantôme de la... des crimes France. De la Nouvelle-France. En vrai, quand je sais pas dans quoi tu m'emmènes, je suis comme ça, a l'air le fun. Une visite de nuit de Québec. On va voir Québec sous encore là, un nouvel angle. Sûrement qu'ils vont nous emmener de bâtiment en bâtiment puis compter des trucs historiques, je sais pas en réalité. Le Moine Center, en fait, aujourd'hui, c'est un centre de littérature.
mur, une bibliothèque. À l'époque, c'était une prison! Ah! Et là, pour vous prouver que je dis pas de farcerie, si vous regardez les fenêtres, ouais. En haut des fenêtres, il y a comme des trous. Ben ça, c'était les bords. Ah oui, oui, on voit des trous. Fait que ça, c'est une belle prison. Donc, on se voit en 1808 sous le régime anglais. Ici, sur le territoire, on a eu anglais et français. Puis ça vous montre sa jambe, là, petite gangrène qui commence. Là, ça vous montre. Puis pour rester, essayer de l'éviter un peu, on va vous couper les jambes. Il y a des pendaisons là, gars. Juste là, ça, c'est une prison. Pourquoi on l'appelle le docteur l'Indienne? En tant qu'écrire, à l'époque, c'est pas donné à tout le monde. La personne peut aller réfléchir dans un couvent. Il faut te mettre de même. Alors, on va mettre deux gros poids sur chacun de ses bras. Dernier jour à Québec aujourd'hui. Fait que, ben là, ce qu'on a prévu, c'est first aller déjeuner. On va retourner, c'était quoi, 14e? Lounge. Accès à un petit déjeuner continental, mais de luxe, qu'on te dit. Ouais, exactement. C'est ça, ouais, oui, t'as-tu faim? Oui. Ouais, je commence, ouais. Oui. Très gris aujourd'hui, là. Je pense qu'hier, il y a plu, c'est ça, toute la soirée, même quand on dormait peut-être. Pour que ce soit gris et brumeux demain, mon matin, je vais vous montrer deux secondes, là. Ça tombe bien parce que, ben c'est ça, on va aller se promener ce matin, découvrir plus le château Frontenac. Il y a des visites, on va aller voir c'est à quelle heure, sinon on le fera sous notre propre gouverne. Puis après ça, on va aller visiter aussi la piscine-terrasse, ça va l'air beau. Je sais pas si on va se baigner, mais on go with the flow aujourd'hui, là, vraiment. Puis tantôt, on a une autre activité que je vous dirai, c'est quoi tantôt? Fait qu'on va essayer petite patate, petit pain doré, fruits, yogourt, toast, patate et fruits. On se promène, c'est pas de photo ici. Parce qu'il y avait des tours, mais trop tard, genre juste à 11h. C'est vraiment chic partout. Château Saint-Louis, il s'appelait-tu Château Saint-Louis avant? Ou ça longtemps? C'est trop beau. On crêpe sur le plafond. Ouais, c'est ça. Ça rend même pas justice, mais c'est chic. Ça sent vraiment comme moi dans un château, là. C'est le cas de le dire. Oh, des téléphones. Téléphone interne. Pour le service royal? Hey, essaye donc. Essaye ça. Ben non, mais... Quelqu'un va répondre. Décrocher. Essaye. Tu sais ce que ça dit? Service royal. Qu'est-ce que ça dit? Moi aussi, je suis gênée. Ok, bye. Belle terrasse. Quand il fait beau, en tout cas. Ouais, là, on n'irait pas se faire bronzer aujourd'hui. Ça. On va aller voir le dessert. C'est la vue du 17e. Maintenant, on s'en va à... Dans deux minutes, on arrive au musée... Comment il s'appelle? Musée national des Beaux-Arts. C'est ça, musée des Beaux-Arts. J'étais comme ça le même nom qu'à Montréal, mais c'est peut-être national qui est différent. Mais du Québec, je pense, non? Du Québec, musée. Parce qu'il y a un musée des Beaux-Arts à Montréal. Ouais, en tout cas, il y a une petite variante, je sais pas trop. Eh bien, on va aller voir l'exposition de Alexander McQueen, que je sais pas si elle a un nom, ça s'appelle juste comme ça. Ouais. On va aller voir ça. Ça va être peut-être notre dernière activité d'aujourd'hui. Sinon, on a peut-être une autre idée ou arrêter après. Je vous dirai ça tantôt. Je sais pas si je vais pouvoir filmer par contre. Je sais vraiment pas. Vu que c'est un musée, peut-être voir si j'ai le droit avec mon cell faire des photos vidéo, mais je traiterai peut-être pas la cam juste pour ça. On arrive! On a pogné la visibilité, c'est vrai. Je pense que ça va être le fun. On va avoir plus de... Ben, au lieu de lire, on va être paresseuse, on va entendre. Ça va nous réchauffer parce qu'il fait froid aujourd'hui. C'est quoi une marche? Ça, c'est vraiment bon. Moi, ça, le beau plat principal, pour autant, ça va être bon.
my god. Et le dessert finalement. Hey tout le monde, donc je suis de retour à la maison. J'avais oublié de faire une conclusion au vlog et mon montage était tout prêt. Fait que je vous fais ça rapido. En ce moment c'est le week-end, puis si jamais j'ai l'air un petit peu fatiguée, c'était normal. Je me suis couchée à 1h45, pas très bien dormi. Je suis sortie avec mes amis, on oubliait l'état d'une soirée qu'on avait toutes 30-31 ans. On a fait comme si on avait 18, puis ça a marché. Fait que c'est ça, je suis fatiguée, mais c'était bien drôle, c'était bien fun. Mais bref, pourquoi je vous raconte ça? Aucune idée. J'espère que vous avez aimé le vlog, que ça vous a peut-être donné envie sinon d'aller à Québec, parce que pour vrai, moi c'est ça, c'est une ville que je connais pas full bien. Je me répète, mais j'ai trouvé ça très beau par contre, de redécouvrir un peu la ville une fois adulte, tu sais. Fait que je vous encourage à y aller si c'était pas déjà fait. Ça fait un très beau getaway, puis si vous êtes à Montréal, c'est loin, mais c'est pas trop loin non plus, genre ça vaut amplement la peine. Un merci spécial aussi à Omi qui ont exceptionnellement commandité cette vidéo aussi. Mais j'adore travailler avec eux, là, comme je dis, peu importe c'est où et de quelle façon. J'aurais peut-être même éventuellement quelques petits secrets à vous partager, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Je viens de voir que Lily est couchée derrière moi, puis est toute comme la tête à l'envers. Elle est tellement cute qu'elle fait ça. Adorable. Non mais, checky sa tronche. Es-tu drôle ou pas drôle? T'es tellement cute, bébé! Tu fais de la pub pour mon cahier en même temps. Non mais pour vrai, es-tu cute? Oh my god. Donc si vous avez aimé ce vlog getaway, laissez-moi un like, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. En fait, c'est ce que je préfère par-dessus tout. Fait que si vous voulez juste faire un des deux, laissez-moi un commentaire parce que pour vrai, j'adore vous lire. Comme, genre pour vrai, la chaîne de vlog, c'est mon endroit préf à prendre les commentaires. Fait qu'hésitez pas, je réponds ou je like tous les commentaires que je vois là, dès que je sors une vidéo. Fait que merci d'avoir été là tout le monde. Puis prochain vlog, je vous fais un reveal des plans du sous-sol. Ok, vous allez capoter comment c'est beau. J'ai fait un petit teaser dans le dernier vlog, mais là, vous allez tout voir. Plus, je refais toutes mes DIY zéro déchet préférés. Fait que ça va être un peu la thématique. Fait que abonnez-vous pour rien manquer. Et je vous dis à bientôt. Bye!